Dans la salle, il est interdit de filmer. Hey Masta, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Harvey, je fais des vidéos sur le style de vie des Congolais et plein de trucs qui rassemblent la culture congolaise et tout. Dans cette vidéo, je vais découvrir les endroits. Ce sont des endroits que je suis jamais allé personnellement. Donc vous allez voir dans la vidéo. Et c'est parti, on se retrouve après. Alors là, je viens d'arriver. Malheureusement, le taxi n'est pas entré dans l'enceinte du Canal Olympia. Donc, Canal Olympia est juste situé au rond-point Poto-Poto, juste en face de la basilique Sainte-Anne. Donc, dans la fin, on va se... Et du coup, tu veux nous passer du temps au... Non, j'attends quelque chose. Moi aussi, je connais que le truc de la rue, elle est tombée là. On est aussi, les masses sont plus longues. Même pas. Quand même, on dirait que c'est intéressant. À l'intérieur tu peux filmer, quand tu rentres tu peux filmer. Du coup, tu fais un vlog, tu mets tu de où? De Brazzaville, de Point Noir. Tu vois, tu as la page? Ok, d'accord. Donc tu vas et tu fais le truc. Tu as eu des pop-corn? Moi je peux des pop-corn. Vu que c'est un vlog. C'est la dame qui gère le pop-corn. Tu fais ton vlog, en fait, tu fais ton vlog. Tu fais d'abord le film. Non, tu veux. Attends, je te... Mais tu prends ce canal, je fais pas le gros. On essaie, c'est pour ça. Pop-corn, c'est trop sérieux. Bon sucré. Pardon ? Je vais prendre le pop-corn. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Non mais j'hallucine. J'ai eu des pop-corn gratuits. Tout ça parce que je fais un vlog et tout. Alors là, on prend la même direction, on va également à Poto-Poto découvrir un incroyable endroit. Bienvenue sur dans la deuxième partie de mon vlog. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une partenaire, une vlogueuse aussi. Elle est là. Avec moi, bien sûr. Merci pour moi, je m'appelle Regina, je suis, comment je vais dire, sa partenaire. C'est aussi une vlogueuse comme voilà, moi. Une vlogueuse, ouais. Alors aujourd'hui, on s'apprête à découvrir le nouvel endroit numéro 2, le plus dingue à Brazzaville. Ouais. Voilà, c'est un endroit qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment suggéré. Et aujourd'hui, on fait aller découvrir cet endroit. Donc, let's go. Petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve l'endroit. Ma Voula Lounge Bar se situe dans la rue Bonziri à Poto-Poto, sur le croisement de la Vigne de la Paix. Mais le pays souffre. Le pays souffre vraiment. Ah, ça suit, ça suit. Donc, ça veut dire que tu es là, calade. Le pays ne marche pas. Ah,
le menu qui était abordable, on y trouve plusieurs variétés de boissons alcoolisées et non alcoolisées. On y trouve aussi des pizzas, des hamburgers et plein d'autres trucs que j'ai pas pu du tout retenir. Ils nous ont suggéré d'aller dans cette pièce. Quand je n'en revenais pas, la pièce était tellement trop magnifique. À chaque instant, à chaque moment, on découvrait plus d'endroits. Et aussi le service traiteur, franchement, ils nous ont bien accueillis. Ils étaient très bienveillants, très respectueux. Franchement, à la limite, sur une note de 10, je les donne 10 sur 10, car ils le méritent. C'est un endroit à ne pas manquer. Il faut en tout cas visiter cet endroit. Maximum. Alors là, on se retrouve dans la dernière partie du vlog. Avant d'entamer le dernier endroit, nous allons visiter une boutique d'Abiomo. Il nous propose plusieurs articles de vêtements. Donc, nous allons les découvrir ensemble. À savoir, Bilove est situé au rond-point Mongali. Donc, en face du salon Pauline, dans la rue Mayama. Alors là, on se dirige tout droit vers Bolingo, un endroit situé au bord du fleuve Congo avec une belle vue incroyable.
Et Masta, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un énorme like. Personnellement, j'ai rien à vous dire. J'ai fait la vidéo déjà il y a 4 mois. C'est une vidéo que j'ai fait à longtemps et tout. Donc, ça m'a pris du temps. J'avais plein de trucs à faire. Et puis voilà, j'ai longtemps que j'ai toujours voulu faire des vlogs. Et ça, c'est ma première fois. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le vlog. Si vous avez d'autres endroits que vous voulez que je puisse découvrir. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se dit bye bye. Bye, Masta.